Allez, t'as la pelinette, voilà, parfait. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Passe le ballon. Ouais, beau sourire. Oh, qu'elle est magnifique. Allez, on y va. Bon, on y va? Ouais. Allez, allez. Bon les gars, on casse une vitre ou on défonce une porte. Mais non, c'est d'aller en douceur. Faut pas se précipiter. Oh, vous allez la fermer là-haut ? Mais non, non, faut pas y aller. Attendez. En premier, il faut savoir s'il y a une alarme ou s'il y a quelqu'un. Toi, tu pars par là, toi, ici, toi de ce côté, moi, là, de ce côté. Bon, je rentre par là. Envoyer des emmerdeurs. Je t'ai déjà dit que je voulais rester seule, que je détestais la compagnie, surtout la présence de ceux qui viennent de l'extérieur, de ce monde que je rejette. Il m'a trop fait souffrir. Ça suffit. Très cher, ma mission ne s'arrête pas à toi. Tu n'es pas la seule sur cette terre. Monsieur Marc-Antoine, vu le résultat de vos examens, nous sommes obligés de vous mettre en maison de repos. Tout ça pour ma bébène. Vous savez, c'est pour votre bien. Et surtout le bien de la société aussi. Dites-moi carrément que cette maison de repos, c'est un asile de fous. Et vous pensez que je vais me laisser faire? Il le méritait. Il faut pas m'emmerder, moi. Il faut vraiment pas m'emmerder. Calme-toi. Je suis désolé. Je regrette. Ma caisse. J'ai eu personne aujourd'hui. Monsieur, j'ai pas d'argent. Montez pas, le coffre. Pitié. Merde, c'est vrai. C'est ok. Merci. Bon, dis-moi, t'es sûr de ton coup, Jerry ? C'est un jeu d'enfant. T'es sûr qu'on peut pas se faire démasquer, nous ? T'inquiète, c'est dans la poche. Bon. Je peux te faire confiance ? Bien sûr. Okay. C'est bon ? C'est bon. Ok. À la prochaine. Prochaine. Tu as vu les paniers qu'il a marqués aujourd'hui? Je le veux dans ma team. Tu crois qu'il est prêt cette année? Lui? Il ne voudra jamais. Je le connais depuis qu'il est petit. Il a peur de réussir, il fait un blocage.
un blocage. Ah, c'est vous, la bande d'emmerdeurs. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour être ici? Eh ben, j'ai pris la batte, le pauvre. J'ai tapé le chien. J'ai touché une porte et puis après, j'ai disparu. Moi, j'ai pris un pistolet, je voulais pas qu'elle caisse, la femme elle est morte parce que le pauvre. Moi, en fait, dans ma vie, je suis connu pour le temps informatique, donc moi, il y a moi qui en train. Encore éjecté. À votre place, je n'y retournerai pas. Mais je laisse pas tomber, moi, monsieur. Pauvre folle. Apparu, disparu, vous n'avez rien vu? À vue, non. Mais vécu, ça oui. Vous n'avez pas honte? Franchement, monsieur, c'est un manque de respect pour nos espaces verts. Regardez, c'est un espace magnifique. Si tout le monde faisait comme vous, les poubelles, elles sont mises là. Pourquoi faire? Ce serait plus propre et agréable quand même. Je sais pas, moi, c'est franchement... Que vous faites là? Et vous êtes fiers de vous? Vous êtes content? Vous êtes un peu con aussi, non? Pauvre de nous. Puisque vous ne respectez rien ni personne, vous êtes ici pour changer vos mauvaises habitudes. Changer quoi? Je ne vois pas ce que j'ai à changer. Ah! Vous ne voyez pas? Non, je ne vois pas. Effectivement. Je suis aveugle depuis que j'ai quitté le château. C'est ma punition. Je voudrais... Le château, il est où? Je l'ai jamais vu. Derrière, à 200 mètres. 1, 2, 3, 4, 199, 200. Mais il est où le château? Ne le cherche plus, c'est bon signe. Les personnes comme nous n'ont pas besoin de remise à niveau. Tu sais pas, non? Oui. Allez, viens, on y va. Allez-y. Bon, les gars, j'arrête les crimes, j'arrête les vols, j'arrête les meurtres. Venez, on va jouer. Ok. Faut que je m'entraîne. Pour passer l'épreuve, pour entrer dans un gros club. Il est où Marc-Antoine? On le reverra plus. Il refuse qu'on l'aide. Okay. Moi, je vais aider à renforcer la protection informatique du bac. Bonjour. Bonjour. On va jouer au basket, tu viens? Oui, avec grand plaisir.